remerciement de venir sur le plancher de danse, s'il vous plaît. Oh mon Dieu! Ça, c'est une réplique des années 80, hein? Ok, attends, je vais te. Ah non, ok, après, ok, excellent. Je vais me la couper plus, Simon. Tu fais quelque chose sur la tête. T'as plus un gland que le perruque. Tu vois, j'ai mis une coupe longueuil, une coupe champignon, parce que si t'avais un gland, c'est autre chose, tu sais? Alors, Nadine et Simon sont maintenant des habitués des spectacles et des mises en scène. Et pour la première fois, Simon ne sera pas déguisé en costume. De dessins animés ce soir, ok? Pas de gland sur la tête, évidemment. Donc, ce soir, c'est du sérieux. Ben, le sérieux. C'est du sérieux. Et de même, du très sérieux. Ils vous réservent de très belles surprises. Pour la première routine de ce soir, ils vont nous plonger à l'époque de leur bal définissant. Oh, wow! Et c'est pour ça qu'il a été rude, parce qu'à cette époque-là, il avait les cheveux de même. Oh, mon Dieu! L'homme-même, là. Puis une-même, là. OK. Excellent. Alors, je disais, dans la vraie vie, ils n'ont pas passé leur bal définissant ensemble, car ils ont tous les deux quelques années de différence. Ils vont, à travers cette routine, souligner leur rencontre et se plonger dans une atmosphère de séduction d'adolescents. Je tiens à préciser que la belle Nadine a le plaisir et la fierté de pouvoir rentrer de nouveau dans sa robe de finissante. OK? Souvent, on rentre à l'heure de mariage. Et ça, c'est finissante, là. Finissante de secondaire 5 ou finissante de conseiller? Ah, ça, c'est un bravo. Ouais, 27 de taille, là, c'est jadis dans une autre vie, là. Alors, sous vos applaudissements, laissons place à Nadine et Simon qui vont tomber amoureux en dansant la rumba à leur bal de finissante. Excellent. Good, very good.